Vraiment, même trois disciplines, comme ça, dominer trois disciplines, c'est très très rare. C'est presque, c'est, ça n'existe pas d'ailleurs. Ouais, c'est, le premier. Vanessa Boslak, concours du saut à la perche féminin, un barre importante pour Vanessa qui a raté son premier essai à 4,55. Elle avait franchi 4,40 à son entrée dans ce concours. Vanessa, ouais, c'est bien, bravo Vanessa. Vanessa, 4,55. Meilleure performance de l'année pour Vanessa. Ouais, ça c'est bien d'assurer déjà sa meilleure perf. C'est ça, des jeux. C'est exactement ça, c'est ce qu'on demande à l'équipe de France en fait, d'être conquérante, guerrière, non pas forcément de gagner des médailles parce qu'il en faut pour tout le monde. Sébastien Levic qui est en train de conseiller Vanessa à distance, mais simplement être à son meilleur niveau le jour d'un grand championnat comme ça, parce qu'au niveau préparation, on ne peut pas dire que la Fédé a fait quand même le maximum. Ils ont, il y a eu des présélectionnés, on leur a garanti un certain nombre. C'est Jedruzinski ? Je crois, oui. Ouais. Maillot rouge du Polonais, il me semble. Vanessa, Vanessa Boslak, 4,65 m. Comment ça te sérieux là ? Pour elle. Oui, mais pour tout le monde, parce que là, ouais, 65, ça commence. Bon, et Sébastien qui lui dit non, n'y va pas, c'est à cause du vent, hein, c'est ça. Sébastien Levic qui fut quatrième du décathlon, c'était à Séville en 1999 au championnat du monde. Et Vanessa qui attend le signe de Seb. Elle fait attention quand même parce qu'il reste que 15 secondes. Elle va être obligée d'y aller. Elle va être obligée d'y aller. 4,65 m, premier essai. Oh, c'était pas mal. Vous avez serré un peu les dents à un moment. Ouais, à l'impulsion, parce que j'ai trouvé qu'elle mettait un petit peu les épaules en arrière et qu'elle décélérait plutôt que de mettre du rythme en bas. Ça tournait, ça n'a pas accéléré au niveau du rythme. Ouais, il y a un petit moment où ça, elle prépare l'impulsion et ralentit un peu. Oh, c'est dommage parce que elle les a dans les jambes là. C'est 4,65 m. Et mille excuses aux Finlandais parce qu'il ne s'agissait pas du tout d'Onghisto, mais de Perche. Voilà, merci beaucoup. Deuxième essai en direct à 5,65 m. 4,65 m. Oui. 4 m, oui, qui n'a pas du tout, du tout pu cette fois engager son saut. Oui, alors là, elle a peut-être pris une perche un peu plus dure. Certainement, oui. Parce qu'elle a vraiment, elle avait l'air d'arriver assez vite quand même, et elle n'a vraiment pas pu la plier. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va garder un essai pour la hauteur supérieure, tenter le tout pour le tout? J'en suis pas certain. Elle va se concerter avec Sébastien Levic. Le temps pour nous de tourner.